aussi, je ne sais pas pourquoi je suis aussi bizarre. Peut-être que je consulte, je ne sais rien. Enfin bon, bref. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si t'es nouveau, abonne-toi. Et si t'es pas nouveau, merci d'être revenu. Parce que ça veut dire que tu es vraiment très patient ou que tu as un humour bizarre. Non, je déconne. J'en sais rien. Je sais pas si je dois parler avec les yeux ouverts ou fermés, donc c'est pour ça que je fais des têtes un petit peu bizarres. Je sais que c'est plus rigolo quand j'ai les yeux fermés, mais c'est un peu bizarre de fermer les yeux De parler les yeux fermés, donc je sais pas trop quoi faire. Respire ça. Pourquoi t'es pressée comme ça? T'es en train de prendre? Non, bon alors, calme-toi. Bon bref, ce maquillage c'est pour tous ceux et celles qui m'ont demandé de faire Naruto. Vous êtes assez nombreux, enfin tout est relatif dans la vie. Vous êtes à peu près 10 et c'est la première fois que autant de personnes me demandent de faire le même maquillage. Donc du coup je me suis dit je vais le faire. Ça fera plaisir à au moins 10 personnes sur cette planète, plus moi parce que je me suis quand même bien amusée. Donc voilà mon Naruto avec sa petite dague. Là il me la met dans l'œil, mais bon ça me ferait pas très mal. Alors quoi que c'est piquant quand même. Oh là là ça va, bon allez arrête, ne bouge plus, tu te mets au milieu et tu ne bouges plus. Ah sans plus attendre, je te laisse regarder le tuto parce que je n'ai plus de batterie et j'ai oublié de recharger les autres. Donc voilà, j'ai pas du tout envie d'attendre qu'elle soit chargée pour continuer cette vidéo. Car il est tard et ça fait très longtemps que je suis. C'était très rapide et ça m'a donné une crise d'angoisse. Ok bon allez, je commence par m'appliquer mon primer, comme d'hab. En fait c'est pas ma faute si j'en mets beaucoup, c'est que le produit là il sort en grande quantité du tube. La meuf qui cherche des excuses pour utiliser trop de primer. Pour ceux qui se demandent est-ce que ça fait vraiment une grande différence de mettre du primer, oui quand même. J'ai remarqué que les pigments sont plus pigmentés, plus joli et il dure plus longtemps, il se voit mieux. Le fond de teint s'applique mieux, la peinture a tendance à moins craquer aussi. Donc oui il y a vraiment une différence quand même. Ok bon alors maintenant je ne sais pas, je vais camoufler mes sourcils avec de la colle que je n'ai pas prise. J'utilise un bête stick de colle pour les écoliers ou pour les adultes comme moi qui aiment bien se camoufler les sourcils. Et après je vais recouvrir ça de poudre compacte. Elle est trop foncée cette poudre, je me suis trompée de couleur. Là j'ai quelques sourcils qui dépassent donc je vais en remettre juste une fine couche. Bon, ça ira. Allez, on va faire l'autre côté. Je sais pas ce que c'est après que je vais faire. Je ne sais pas, je vais faire une photo déjà. On va passer au reste, à la suite, et au dessinage. Le dessinage, ça se dit? Le dessin? Oh, je sais plus parler français. Au dessin. Bon, je suis pas teubée, hein, c'est juste que je parle anglais toute la journée, du coup, le français, je finis par oublier. Avant de dessiner dans le contour de mon perso, je vais voir où se trouvent tous les éléments. Donc, j'ai les oreilles ici. Attends. Donc, voilà mes cheveux et mon bandeau que je vais coller. Coller. Ici. Oh, c'est rigolo. Faut que je m'attache les cheveux d'abord. Donc, alors, ça veut dire que les yeux seront sur mes yeux et un peu sur mes joues. Non, j'aurai une patte. Pas une patte. On est moche comme ça, enfin surtout moi. Bon bref, Sarah, concentre-toi. J'aurais pu faire ça avant, mais je le fais avec vous, comme ça vous voyez comment je procède. Ici il y a un gros espace et du coup il va y avoir la bouche ici et le nez en fait au-dessus de ma lèvre quoi. Donc là il n'y aura rien. Ouais, à peu près. Je me suis attachée les cheveux et maintenant comme j'utilise un écran vert, je vais appliquer de la peinture verte sur mes cheveux pour que on voit pas mes cheveux quoi. Quand j'aurai collé les cheveux de Naruto. Donc je vais effacer mes oreilles aussi et pas que les cheveux. Voilà, comme ça, ça sera plus net. Ce sera mieux fait. Que faire? On va faire les choses comme il faut. Ok, allez, maintenant on colle le papier, la coiffe, ici. J'ai perdu une oreille, non elle est là. Alors maintenant on va coller les petites oreilles ici au ras du bandana. Ça me fait trop rire. Et je vais utiliser du spirit gum que je vais poser sur les petites languettes là. Mon spirit gum a disparu. C'est pas mal. Faire la même chose de l'autre côté. Donc maintenant
Je vais utiliser un crayon blanc et je vais tracer le contour des yeux. Et c'est à peu près tout, parce que le nez et la bouche, c'est juste un petit trait comme ça. Peut-être aussi le contour des fringues. Et après, on va peindre le tout. Je crois qu'on est bon. Pas flou. Ok, je fais l'autre côté. Voilà, pour la forme des yeux, c'est à peu près ça. J'ai l'impression que j'en ai un qui est plus gros que l'autre, celui-là. Je vais rétablir ça hors caméra et maintenant on va mettre le fond de teint. J'ai fait des fucks, désolé, le fond de teint. Autant pour moi, avant de faire le fond de teint, je vais quand même faire le contour un peu du visage parce que il faut qu'il parte là du lobe de l'oreille pour aller jusqu'au menton, qui est un petit peu plus pointu que moi, j'ai le menton carré. Du coup, je vais mettre de la peinture verte ici et je vais aussi tracer le contour des fringues. Voilà. La fermeture éclair au milieu. Voilà, grosso merdo. Voilà. Donc je disais qu'il fallait quand même que je pense à rajouter les petits cheveux. Je vais le faire maintenant en fait. Comme ça vous allez voir comment je fais. Non pas que je sois très douée pour ça, j'aime pas trop faire ça d'ailleurs. Donc en fait je prends un papier, je le plie là au bord pour avoir ma languette en fait que je vais coller. Et donc ici je vais tracer une petite mèche de cheveux. Et je fais la forme qui m'intéresse. Grosso modo hein. Pas besoin que ça soit parfait. Voilà ce que ça donne, je sais pas si vous voyez parce que c'est très flou. Ça va être comme ça. Je vais le peindre en jaune. J'ai fait un petit contour noir façon voilà BD, façon dessin animé. Et je vais les mettre ici. Je m'éclate. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'adore, c'est trop mignon. Ok, bon ben voilà, pour les petits accessoires, je suis à jour, on va dire. Et maintenant, je vais pouvoir appliquer le fond de teint. Je sais pas trop comment l'appliquer, donc je vais essayer avec cette éponge. En fait, c'est du fond de teint mousse et je vais essayer avec l'éponge comme ça. Si ça marche pas, ben je le ferai peut-être au pinceau. Voilà, on va voir. Pour les parties où c'est très étroit, j'utilisais un petit pinceau comme ça qui ressemble à une brosse à dents. Ok, maintenant je vais venir éclaircir un petit peu le fond de teint, j'espère que ça va marcher, parce que je vais appliquer donc du fard gras par-dessus le fond de teint avec un beauty blender, j'espère que ça va le faire, sinon il faudra recommencer le fond de teint. Donc j'en mets un petit peu sur l'éponge et je vais venir en mettre à partir du milieu vers l'extérieur. Maintenant je vais venir assombrir les bords. Je vais utiliser cette poudre contouring là sur les bords là pour donner l'effet dessin animé, l'effet animé, cartoon je voulais dire, c'est pareil. Les animés et cartoons, ça reste pareil. Je voulais dire BD. Alors j'ai dit mal. Je vais utiliser ce. Ne sois pas flou. Je vais utiliser ce pinceau rond. Et pour ce côté, je vais utiliser un pinceau un peu plus fin, plat, comme ça. Là, avec le blanc que j'ai utilisé tout à l'heure, au milieu là, je vais venir éclaircir un peu les bords que j'ai assombris. Je vais venir l'estomper aux doigts en espérant qu'ils soient pas trop sales, ils sont un peu verts mes doigts. Maintenant, je vais faire le contour de son visage avec un eyeliner noir liquide. Bizarre. Je vais appliquer les couleurs du costume partout, ce sera fait. Et après je pourrai m'amuser avec le reste là, faire les yeux, j'ai juste hâte de faire les yeux là. Je vais commencer par le bleu foncé que je vais mettre ici. Je me suis trompée. Oubliez ce que j'ai dit. En fait je vais mettre d'abord le orange, comme ça si je déborde trop je pourrais passer par dessus avec le bleu. Ce sera plus facile que dans l'autre sens. Donc, on recommence. On va mettre ça. Les mains sont dégueu là. Pour la photo ça va pas être terrible hein. Bien, j'en ai pour Milan. Ok, maintenant je vais mettre du bleu foncé, celui-là, hein, ici, sur les épaules.
Il est bizarre ce bleu là. Je sais pas. Je suis pas très sûre de ce bleu en fait. Vous savez quoi? Je vais l'enlever parce que je l'aime pas. C'est pas le même que le bandeau, donc ça va faire bizarre. Et en plus j'ai l'impression qu'il est un peu vert. Avec mon arrière-plan vert, ça risque de pas du tout marcher. Donc en fait je vais utiliser la peinture à l'eau bleue que j'ai utilisée pour peindre le bandeau. J'espère que ça va pas trop couler là. Au moment où je dis ça, je fais tout couler sur le bureau, tu sais. J'ai mis trop d'eau en fait. Oh, ça me gratte. Alors, pardon. Maintenant, je vais peindre le col en blanc. Et après, pour pas que ce soit trop blanc, je vais le poudrer avec une poudre... Bon, je vous montrerai après. Pour les bords, là, je le ferai avec un autre pinceau parce que j'ai pas envie de le recouvrir de bleu. Je vais mettre de la poudre libre partout pour que ça soit pas tout gras. Et après on va colorer ça un tout petit peu en beige parce que c'est un petit peu trop blanc. Alors maintenant je vais mélanger ce blanc rosé et ce jaune et je vais un petit peu, je l'ai déjà fait là mais c'est pas vraiment créé. Je vais un petit peu déjà matifier la peinture et ensuite faire en sorte qu'elle soit un peu moins blanche. Donc maintenant on va rajouter des petits détails sur le col. On va commencer par mettre de l'ombre un peu grise, c'est taupe un peu comme couleur, c'est celle-là. Et après on fait tout le contour avec un eyeliner noir. Je vais je vais faire une pause. Je voudrais essayer de rajouter une ombre là sur le bleu pour donner plus d'effet des dessins animés. Donc je vais essayer de mettre cette ombre là, en espérant que ça soit un peu plus foncé que la peinture. Il n'est pas assez foncé celui-là. Je vais aller chercher un autre bleu. Là j'ai trouvé un bleu plus foncé, celui-là. Donc je vais en mettre juste là sur le côté comme ça pour faire une ombre. Bon, la différence de couleur n'est pas ouf, mais ça se voit quand même. Sur la photo, ça se verra mieux, je pense. En réglant un petit peu aussi la luminosité de la vidéo, peut-être que ça se verra mieux. Bon. Voilà, je vais le faire descendre jusque-là un petit peu. Je vais faire tous les contours là avec l'eyeliner noir. Et après, je vais faire la fermeture éclair. Ouais, je crois. Je suis pas sûre en fait. On va attendre que ça sèche un peu avant de plier le cou, sinon ça va faire des taches. La fermeture éclair au milieu. Donc je vais utiliser de la peinture, je sais pas trop en fait. Je pense que je vais prendre la peinture crème, la même chose que j'ai utilisée depuis le début en fait. Et je vais mettre du gris foncé, puis après je vais l'éclaircir avec du blanc. Donc je vais prendre un pinceau plat et du gris foncé, celui-là. Maintenant je vais mettre la poudre libre parce que c'est de la peinture à l'huile, donc c'est très gras. Je pourrais pas faire ce que je veux si je la fixe pas d'abord. Ensuite on va faire le contour de la fermeture éclair avec de l'eyeliner noir. Ce n'est pas très droit, on voit les coups de pinceau mais c'est pas grave. Après je vais faire des zigzags au milieu. Ce n'est pas facile. Plus j'ai envie de tousser, je m'étouffe.
Bon, c'est original. Je vais rajouter du blanc pour éclaircir et puis pour donner un peu de relief. Bon, j'ai pratiquement fini les vêtements là, hein. Il me tarde de faire le reste. Je vais rajouter les plis là dans le cou et je vais utiliser ce marron ici. Je vais rajouter une ombre ici là qui continue l'ombre bleue, enfin, oui l'ombre sur le bleu. J'ai du mal. Alors du coup là où j'ai mis l'ombre marron, je vais faire un petit trait d'eyeliner noir, faire ressortir l'ombre. Je pense que je vais rajouter quelques ombres au niveau des bras, mais je vais le faire hors caméra parce que voilà, vous avez compris comment on fait, je pense. Bon, j'ai fini la tenue, je suis trop contente. Mais bon. Maintenant je vais passer au visage, donc je suis trop contente, j'ai trop hâte. Bon, les yeux ça va être un peu long, mais... pas grave. Qu'est-ce que je fais en premier? Bonne question. On a les moustaches, on sait pas trop ce que c'est, mais c'est des moustaches. Les deux yeux, les deux sourcils, bon, l'espèce de trait qui sert de bouche et les deux trous qui servent de nez. Et ça devrait être quand même long, mais pas si long, bref. Je pense que je vais faire un œil hors caméra et comme ça, ça va me motiver après. De toute façon, j'ai pas le choix, donc je le fasse. A tout de suite. Il me reste juste sur celui-là à rajouter le blanc, mais je le ferai à la toute fin si j'oublie pas, parce que là en clignant des yeux ça va s'abîmer, donc je préfère pas le faire pour l'instant. On va commencer par tracer la forme de la pupille. Donc en fait pour faire la forme du rond, c'est flou ma caméra, ça me saoule, je prends un rouge à lèvres de la bonne taille, c'est-à-dire voilà, il faut que ça rentre dans l'œil, et je vais le plaquer sur ma paupière pour faire une forme plus ou moins ronde. Sinon à la main levée c'est vraiment hyper difficile. Je prends du blanc et avec mon doigt je le mets sur le bouchon et je vais le poser sur la paupière. Ah, j'appuie hyper fort, ça m'a fait hyper mal. Alors maintenant je vais recouvrir la crème blanche de ce bleu là. Maintenant je vais mettre du bleu foncé sur une moitié de l'œil. Vous n'allez pas voir très très bien parce qu'il n'en reste plus beaucoup. C'est le bleu le plus foncé que j'ai. C'est flou non? Bon c'est pas grave. Ne sois pas flou. Ah mince, à chaque fois je fais mince, je dis merde, je dis mince. Alors maintenant je vais rajouter un petit cercle de lumière à l'intérieur de l'œil. Et pour faire un cercle plus facilement, je vais utiliser un capuchon, plus petit forcément que celui d'avant. Et je vais mettre de la peinture crème dessus, comme ça avec mon doigt tout bêtement, tac. Et ensuite je l'applique sur la paupière. J'ai perdu mon chiffon. Voilà, ensuite avec un petit pinceau, enfin un petit pinceau non, avec un pinceau je vais venir estomper, ah j'ai fait des bêtises, bon c'est pas grave, je vais venir estomper le blanc. Je fais des bêtises, oh là là, pff, ça va bien. Ensuite, je me rappelle plus tôt. Et après j'ai pris un eyeliner bleu liquide, d'ailleurs je vais en remettre sur cet œil parce que ça s'est un peu barré. Maintenant je vais faire le contour de l'œil avec un eyeliner noir liquide et puis je vais rajouter la pupille à l'intérieur. Ça c'est la partie vraiment délicate, je peux pas trop respirer, enfin pas du tout même. C'est comme si j'étais un sniper. Et je peux pas trembler, j'ai aucun support pour mon bras. Ça a l'air tout bête comme ça mais c'est hyper dur, il faut faire un trait fin qui soit pas en zigzag. Voilà, je déteste. Qu'est-ce que j'ai raconté comme connerie là? Je m'ai trompée, oui, je m'ai trompée. Bon je me suis plantée là, j'ai n'importe quoi. Non, ce n'est pas du tout ça qu'on veut faire. Donc, en fait, je recommence. En fait, je vais d'abord mettre le blanc. Je vais faire tout le tour et après, je mettrai le noir. Et oui, Jamy. Oh là là, mais je pars complètement en sucette là. Bon, allez, on se concentre, Sarah. On fait... on arrête de faire n'importe quoi. Ah. Donc, je prends un pinceau éponge à bout rond et je vais venir rajouter la pupille dans mon iris. Voilà, bon, c'est pas facile de faire un rond. Ce n'est pas vraiment un rond, mais c'est pas grave. Voilà, c'est en voulant faire des retouches qu'on fait des bêtises, Sarah. Pourtant, tu le sais, hein, qu'il faut jamais faire ce que tu viens de faire, là. Bon, je touche pas trop parce que c'est vraiment difficile à faire à main levée. On laisse sécher. Allez, maintenant, je peins tout le blanc.
J'utilise la peinture à eau parce que tout à l'heure j'ai essayé avec de la crème et de mettre de la poudre par dessus et en fait ça marchait pas du tout. Donc la peinture c'est pas parfait parce que ça craque un peu mais bon, j'ai pas trouvé d'autres solutions. Ok, maintenant je peux faire le contour de l'œil et de l'iris avec mon eyeliner noir liquide, j'ai du mal. Ce n'est pas facile. Là, c'est le contour de l'iris, donc c'est assez délicat. Ça ira. Hein. Non, c'est pas possible. Bon, là, j'ai rajouté du gris ici et ici. J'ai mélangé ces deux gris là. Je vais mettre juste celle du coin là, puis je mettrai à la fin les autres. On approche de la fin. Les yeux sont finis, pratiquement. Maintenant, on va passer aux sourcils. Désolée pour le bruit de fond, on construit un bureau. Et du coup, il y a des petits bruits, voilà. On va utiliser le même jaune qu'on a utilisé partout. Et on va tracer les sourcils. J'en ai mis beaucoup trop. Ok, maintenant on va faire les contours des sourcils et les petites rides là. Avec un eyeliner noir liquide. Je ne sais pas. Je tremble un peu, c'est pas facile. Faisons le point. Il me reste à faire les moustaches, bon, le nez et la bouche, en gros. Ça, je vais faire une photo. J'ai tellement hâte d'avoir fini. C'est pas que j'en ai marre, mais j'ai envie de voir le résultat en fait. Et j'ai envie de me doucher aussi. Trop mignon! Allez, on va faire le nez. Le nez, les trous. Je me demande si je ferais pas mieux de faire la bouche en premier en fait, pour pas me tromper. Pour la bouche, je vais prendre de la poudre à contouring, celle-là. Et je vais venir matérialiser la bouche. Et je me trompe de couleur. Génial. Génial! Ça. Alors, je me concentre là, tais-toi. Ensuite, on met du blanc pour faire la lèvre. Alors, j'ai dessiné le coin de la bouche avec le pinceau et la même poudre. Maintenant, je vais tracer la lèvre avec un très fin, j'espère, d'eyeliner noir. C'est difficile car il ne faut pas trembler. Et maintenant, c'est parti. Il ne me reste pas grand... Je suis floue. Pour le nez. Le nez. Je vais utiliser ma palette de contouring, poudre à contouring. Et je vais commencer par mettre une ombre qui sera la forme globale du nez. Et donc pour cette ombre, je vais utiliser un marron grisâtre, celui-là je pense, et un pinceau. C'est trop bizarre. Alors au milieu, je mets du gris. J'en ai trop mis. Voilà, c'est très bizarre. Ensuite, on va dessiner les narines et voilà les petits traits qui font BD, enfin qui font dessin animé. On dirait que j'ai une moustache. Alors, on va rajouter du blanc sur la pointe du faux nez. Oups.
Il me reste pas grand chose à faire. Je vais mettre le blanc dont j'ai parlé plus tôt dans les yeux. Et je rajoute un petit point sur la pupille, oui. Voilà. Bon les amis, je crois que j'ai fini. Je vais faire un petit tour de tout le maquillage hors caméra, voir s'il y a des retouches à faire. Très bizarre. Et voilà, c'est fini. Et je n'ai plus rien à dire. Je viens de passer à peu près une heure à danser sur Britney Spears, sur Pharrell Williams et sur des trucs japonais que je sais pas d'où ça vient, mais ça me fait beaucoup rire sur TikTok. Donc ça fait à peu près une heure que je fais des vidéos franchement immatures et débiles pour TikTok. Tellement ridicule que ça doit être vraiment très très drôle, enfin, je pense. Ou alors pas du tout, j'en sais rien. Mais il se fait tard, il faut que je me douche, il faut que je fasse à manger. Car je suis une femme, donc c'est moi qui vais. Non, je déconne. Pitié. S'il y a des féministes, ne me tombez pas dessus. Je plaisante. Je cuisine parce que j'aime ça. Je ne suis pas la seule à cuisiner dans ce foyer. Mais ce soir, j'ai une recette en tête. Donc c'est moi qui vais la cuisiner. Non, parce que des fois, on dit des trucs en rigolant. Et après, on se fait insulter. Donc faire attention sur internet. Bref. Voilà. Je vous laisse. Il y a le train qui passe. Donc ça fait du bruit. Je sais pas pourquoi, je vois pas très bien parce que j'ai pas mes lunettes, donc dans la petite caméra de la vidéo... quoi? Non, dans la petite vidéo de la caméra, je suis fatiguée. J'ai l'impression de ressembler à un contrôleur SNCF. Je sais que non, je pense. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir une casquette, une moustache et puis un uniforme. J'y vois vraiment très très mal, oui. J'ai des lunettes normalement, mais bon. Bref, je raconte ma vie et sur ce, je vous laisse. À la semaine prochaine. Et merci d'avoir regardé. Ne louche pas, j'ai pas encore regardé, mais difficile de regarder quand on a les yeux fermés. Pourtant j'ai les yeux ouverts. Non mais c'est nul. Oh là là. Bon allez, ciao.